Ik kijk voor het seizoen 2018-2019 het meeste uit naar Tristan en Isolde van Wagner, die ik sowieso graag hoor. Ik kan er altijd weken van nagenieten en zeker met het orkest en de maestro die er altijd zo'n prachtig werk van maken. Dus ik kan niet wachten tot het zover is. Mon coup de cœur pour la saison prochaine, c'est Frankenstein. Ça questionne des choses hyper essentielles, des questions d'abord ontologiques sur l'être en général, d'où venons-nous, qui sommes-nous. Et quelque chose qui est encore plus actuel selon moi, c'est la question de l'épistémologie, donc le questionnement de la science, savoir quels sont nos droits en tant qu'humains sur la nature et à quel moment notre pouvoir s'arrête. Parce que quelque part, c'est un petit peu ça, on pense avoir un pouvoir sur la nature, ici c'est un pouvoir de vie, de mort et de création, vraiment. C'est un terme très fort. Pour toutes ces raisons, j'ai vraiment envie de voir Frankenstein. Ja, ik kijk uit voor volgend seizoen voor de productie Don Pasquale in een regie van Laurent Pelly, een regisseur die al regelmatig hier is geweest in de Munt. Die hebben meestal met ja, beelden die refereren naar dromen, zeer poëtisch ook altijd, zeer strakke regie altijd, met veel zin voor humor. Dus het is voor mij altijd een feest om producties te zien van die regisseur. Coup de cœur pour cette saison, la nouvelle saison à la Monnaie, c'est La Maison des Morts de Jana Tchèque. J'adore le tchèque chanté en opéra, je trouve que c'est une langue qui a une belle musicalité, donc je suis impatient de réentendre un opéra en tchèque. J'ai habité un an à Prague et c'est là que j'ai vu mes premiers opéras, donc ça va un peu me rappeler mes débuts. Et sinon aussi je trouve que la thématique de l'opéra est aussi vraiment actuelle sur le monde carcéral mais aussi les prisonniers politiques, c'est quelque chose qui touche beaucoup dans l'actualité en ce moment. Et donc j'ai hâte de voir comment ça a été adapté, comment est-ce qu'on a réussi à remettre cette œuvre à jour.